Oh merde. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es maladroit, Francky. C'est au stress, ça. La solution, c'est l'hygiène de vie. Quand tu mets un sucre dans ton café, tu mets un sucre, t'as un nombre de calories incroyable. Faire du sport, mon pote. Sport, c'est important, tu vois. Tête de deux rue de Gondry. Non, moi, je me suis acheté un rameur. J'ai mis dans le garage, j'en fais tous les jours. Alors, Marco, qu'est-ce que tu racontes ? Je vais tout vous dire, inspecteur. Commissaire. Il y a une fille qui s'est fait enlever. Ah ouais ? Comment ? Une journaliste. Ouais. Elle est venue interviewer là pour l'histoire de Grande Zéro là. Bonjour, je suis stagiaire journaliste. Je voulais faire un reportage sur le Grande Zéro. Parce que je trouve en fait que c'est important de défendre. Elle a discuté avec deux mecs tranquillou. Ouais. D'un seul coup, ils l'ont assommé, traîné jusque la bagnole et mis dans le coffre. Moi j'ai couru après quoi. Ils m'ont foutu une grande claque dans la gueule, ces cons. Et ils m'ont pété mes lunettes. Non mais commissaire, mais c'est pas là comme ça tout seul. Merci Marco, à bientôt. Qu'est-ce que je fais moi avec ce truc là? Mais non, commissaire, là je vais dans la merde. C'est quoi ça? C'est des dessins ça? Fiche artistique. Hein? Fiche artistique. Ouais, c'est artistique. Ah, c'est des dessins artistiques. Politique corrompue. Ben. On va voir s'ils font du dessin à l'intérieur. C'est quoi ce truc? Bonsoir mes lapins, je peux faire quelque chose pour vous? Police. C'est vous la tenancière de... Vous êtes la patronne du... Oui, c'est moi. On a 2-3 petites questions à vous poser. On peut se voir dans un endroit tranquille? Batman boira bien un café alors. Robin, un thé? Votre café, Robin. Vous avez entendu parler de disparition d'un secteur? Absolument pas, monsieur l'inspecteur. Vous sauriez pas du sucre? Je suis pas inspecteur, je suis commissaire. Tiens, prends les sucrettes, Francky, c'est mieux pour toi. Faites quoi ici, en fait? Ici, monsieur, on fait la fête. C'est-à-dire, c'est... c'est quoi, c'est une salle de fête? Absolument pas, on s'éclate, on s'amuse, on voyage. Et voyager comment, alors? En bus, en métro, en roller, en avion? Et voyager dans le coffre d'une voiture, ça vous dit quelque chose? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Ça pourrait être sympa. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? T'es en train de te foutre de ma gueule. Tu veux me la faire? Tu veux me la faire? Mais tu vas cracher le morceau, pétasse! Calme-toi, Francky, calme-toi. Oh, calme-toi, Francky. Francky, calme-toi. C'est vrai que c'est un peu chaud ici. Tu veux reprendre un petit... Tu veux reprendre du sucre? Ça sent le canard ici, hein? C'est à base de chambre? Ça, c'est pas bien. On est où ici? Vous êtes combien? Tout le monde reste. Bon, je vais vous faire visiter. On va s'amuser. On va visiter la salle. Avec plaisir, on va visiter la salle. Non, monsieur. On a pris goût. Ok, le désert. Aussi. Le désert, perte de vue. Francky, viens boire un coup là, viens! Donc, tu vois, c'est pour ça que quand je suis passé au contrôle technique, c'est un problème, hein, il n'y avait pas de soucis. Et quand j'ai déménagé, après la semaine suivante, tu vois, j'avais plus la voiture. Des sucrètes, c'est bon. Francky, c'est toi?
Prends la carotte. Rends la carotte. Rends la carotte. Ok. Francis, je crois qu'on y arrive, j'en peux plus là. T'as une sale gueule, mon pote. Oh, on y va là. Ah, bien. Elle était pas mal, la grande brune. Non. Elle était mignonne, elle avait un peu. Hein. Elle a des cheveux bizarres. Tu vois, j'ai senti qu'il y avait un chantier après. Il y avait un truc à faire, quoi. Des graines. Ouais. C'est la conversation, en fait. Mac de tête. C'était une bonne soirée. Ils font la fête là-dedans, quand même, hein. Francis ? Ils savent faire la fête. Hein ? Ça va ? T'as les yeux tout rouges. Tu veux de l'aspirine ?